faut que je passe à travers du 500 mètres parce que j'en ai pas fait beaucoup. J'en avais fait un cette année, puis c'est pas assez. Fait que si je suis nerveux pour le départ, surtout le premier 100 mètres, après ça, ben si je patine puis je relaxe, ça peut aller. Techniquement, ça a été une course qui reste quand même correcte. Je suis content de l'avance que j'ai sur le deuxième. Je suis juste déçu un peu. Je pensais aller plus vite sur mon tour, faire en bas de 31, mais bon, personne n'est allé plus vite, fait que c'est correct. Mais il y avait beaucoup de nervosité. Ça va aller mieux, je pense, dans les prochaines courses. Le feeling sur la glace est vraiment différent. Dans mes belles années aux Olympiques, je chantais que j'étais en contrôle puis je patinais vraiment bien. Alors là, c'était différent. C'est l'âge. Le Canadien Gaëtan Boucher, il ne vise rien de moins que l'or à Sarajevo. Le feeling des jeux que j'avais et puis les souvenirs, bien, ça, c'est encore là. Oui! Eh bien, ça, je pense que c'est la médaille d'or assurée pour Gaëtan Boucher. J'ai regardé le tableau indicateur puis je me disais, ah, bien, ça ressemble au bon vieux temps. Je suis premier en haut. Ça fait plaisir à voir. Go, Gaëtan, go! J'ai toute ma gang de golf. Et puis, eux autres sont descendus de Montréal. J'ai ma famille qui est ici. J'ai des amis aussi d'un peu partout. Alors, il y en a une trentaine qui m'avaient dit qu'ils seraient ici pour voir ma course. Ça fait chaud au cœur de les avoir, puis c'est une bonne gang. On était très, très nerveux, là. Mais j'étais très contente pour lui parce que je sais que Gaëtan, quand il fait quelque chose, il fait avec son cœur. Il y a beaucoup d'admiration, puis je suis fière de mon frère, oui. Ça fait plaisir de prendre part à la première compétition chez nous, dans l'anneau, on voit les jeunes qui patinent à tous les jours quand on vient s'entraîner, puis il y a vraiment, vraiment des beaux patineurs, des jeunes là, qui vont aller vite dans plusieurs années, là, puis qui vont déjà vite. Alors, c'est le fun de faire cette compétition-là, puis de couronner, si on veut, même si c'est pas la dernière, disons, de recommencer plutôt, là, de recommencer une carrière chez les maîtres ici à Québec. Ça serait encore plus plaisant de la gagner, c'est sûr. C'est mon objectif. Il faut qu'une course à la fois, mais c'est bien parti.